La nuit tomba sur la Highway 40. Au volant de ma Ford, la faim me tenait. Près d'une bretelle d'accès, un panneau défraîchi annonçait chez Jack Ranieri le hamburger des champions, prochaine sortie. Je n'y voyais rien de bon, et mon ventre me suppliant, j'enclenchais le clignotant. Sur le toit du snack, un boxeur de bois, tout sourire, accueillait le visiteur. Et il tenait à la main un hamburger, bien solitaire, sur le parking, une vieille Chevrolet égarée devant l'entrée. Je pénétrais dans l'établissement. La salle était sombre, j'étais seul. Derrière le comptoir, un vieux nettoyait des verres qui ne paraissaient pas sales. Et la télé était branchée sur une chaîne sportive. Les murs se couvraient d'affiches en noir et blanc. Jack Ranieri. Iron Jack, l'air menaçant en position de garde, défiait ses adversaires. Je m'assis sur un tabouret au comptoir et passai commande. Je demandai au type « Qui est Jack Ranieri ?» Le type me répondit « C'est moi. » Un peu surpris, je regardai attentivement les affiches. Ranieri avait bien vieilli, mais il y avait une vague ressemblance. Je me demandais comment ce type avait pu passer des rimes de salles prestigieuses au comptoir d'un snack bar de Toronto. Je n'ai pas besoin de poser la question. Ranieri avait lu dans mon regard l'interrogation. Il me sourit et souffla juste. C'est la vie. Je sentais bien qu'il voulait parler. J'avais encore 3 heures de route au moins, il était tard. Mais j'aime la boxe et les histoires.